Tout le monde, c'est Bertrand, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je viens de regarder le nouveau court-métrage de Squeezie. Et du coup, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, il est incroyable. Franchement, il est génial. Je trouvais que le court-métrage était assez bien. Il est vraiment incroyable, genre la mécanique, comme il dit, la mécanique. Elle était plutôt pas mal. Ça m'a vraiment impressionné. En fait, là, j'essaie de trouver des choses pour dire... J'essaie de trouver des phrases pour dire mon ressenti sans essayer de spoil pour ceux qui l'ont pas lu. Et du coup, je vous mets quelques extraits de quand je regardais le court-métrage. Il était incroyable. Franchement, Squeezie et Prime Video, ils ont vraiment fait du bon travail. Le fait que le court-métrage soit muet, c'était bien. Genre, c'était. Ça change des autres films où on voit des gens qui crient tout ça. Non, là, c'était plutôt pas mal. Bon, même si on entend quelques voix, bon, voilà, ouais. C'est quand même bien réussi. Non, franchement, Squeezie, GG pour ce court-métrage, il était franchement incroyable. Genre, vraiment, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Il y a eu certains moments, j'avoue, ça m'a fait stresser, donc quand il y a eu le mec qui passait. Si vous avez vu le court-métrage et que vous avez compris, j'ai fait comme ça, vous allez comprendre. Mais sinon, non, moi j'ai trouvé que le court-métrage était assez bien. Franchement, je le mettrais pour un premier court-métrage de Squeezie, genre horreur et tout avec Prime Video. Je dirais un 7, 8, 9. Ouais, 7, 8, 9. Allez, on va dire 8. Franchement, non, il est vraiment incroyable. Même moi qui suis fan des films d'horreur, tout ça, et j'ai l'impression que tous les films d'horreur qu'on regarde en ce moment, c'est toujours la même mécanique, toujours les mêmes choses. Bah là, il a proposé quelque chose de différent. Et donc, du coup, non, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à plus sur une prochaine vidéo, c'était Bartonus, bye.